Salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur Factorio, il va falloir faire des explosifs, beaucoup d'explosifs, n'est-ce pas, Kat? C'est cela, c'est cela. Et en plus, une grosse Bertha vient d'apparaître. Une grosse Bertha sauvage vient d'apparaître. Là, tu t'éclates, t'en mets partout maintenant. Ah bah c'est toi qui m'as dit d'en mettre partout, moi j'en mets partout. Ah Tout mais à fait. il nous recasse ici. Ça c'est parce que la grosse Bertha elle tire et qu'elle n'arrive pas à tuer la base. Donc je vais aller soulager la grosse Bertha. En détruisant la base, comme ça après ils ont que des petites bases et en un ou deux coups d'obus c'est fait. Tu m'avais parlé de mon train de charbon là, pourquoi il livre pas là le charbon? Bah écoute, le train de charbon n'est pas fait. Si, il est fait. Non, non, le train n'est pas fait. La Ah, gare il est est pas faite. fait. Bah Regardez-moi moi ce. aussi, hein. T'as Ça, juste à c'était là. l'envoyer à centrale charbon, hein. Point barre. Il faut que je pose juste. Il faut que je pose les rails. Mais d'abord, je vais aller soulager la grosse Bertha. Voilà. Pour qu'elle ait un peu moins de travail à faire. On va commencer à les soulager un peu. Voilà. Mais ça va prendre un petit 10 minutes, hein. Ne t'inquiète pas. Voilà. Parce qu'elle a déjà bien commencé le travail. Donc nous allons soulager ses efforts. Voilà. Et c'est marrant, les vers, ils commencent petits et ils grossissent. Quand il repose un ver, c'est un petit ver, et après ça devient un moyen ver, un gros ver et un très gros ver. C'est Oui, assez c'est la sympa. pollution qui fait ça. Non mais c'est sympa, je veux dire, ça apparaît pas comme un gros ver comme t'aurais dans certains autres jeux où quand ils ont atteint ce niveau technologique, entre guillemets, ils posent directement la base Ouais, non, c'est toi, adéquate. c'est nous qui faisons grossir les vers Et ça c'est cool. directement. C'est des petits détails qui sont assez sympas. Puis pareil, vous voyez que quand il tire dans l'eau, ça fait plouf. C'est con, mais. Ça fait Mais plouf c'est. et t'es content. Ah oui, non, mais on s'extasie de tout et n'importe quoi. C'est clair. Là, je confirme pour le coup. Mais oui, mais moi je trouve ça génial. Le petit souci du détail à chaque fois. Le jeu. Toujours. Encore des tuyaux, toujours des tuyaux. Je vais finir par en demander, moi, des tuyaux. Bah moi j'en demande. Donc, Mais bon comme j'en Bref. pose pas. Moi, je demande des trucs qui sont pas fabriqués, du coup. Ah du Je coup pense que c'est c'est pas nettement moins utile. pratique. Ouais, c'est pas très utile. Eh ben. Ouais, il y a encore 3 ou 4 grosses bases collées à celle-là. Bon je pense que là ils auront bien compris. Ils ont compris le message que tu souhaitais faire passer. Ouais je pense. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est nettoyé. On va dire en fait que si la grosse, s'il repose un spawner, la grosse Bertha, elle va le Ouais, direct. bah c'est ça l'idée, hein, de toute façon. En fait, tu dois d'abord un peu abîmer les bases pour qu'après derrière la grosse Bertha, elle ait plus tant de travail à faire. Parce que là, elle pourra pas détruire des bases aussi grandes. C'est pas possible. Moi, je Bah, pourrais avec là. une. Hein. Ah, en fait, en réalité, avec une belle production d'obus, si, elle va arriver à tout dégommer, hein. Ah ouais, non, mais là, elle a 5 obus et elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle a 15 obus, elle. Hein. Elle peut y aller. Hein. Elle est longue à tirer, c'est ça? Bah là, elle tire pas parce qu'il n'y a rien à sa portée. Non, bah c'est cool. Non, il n'y a rien à sa portée, qu'elle voie. Oui, après, il y a les radars qui sont posés, donc après, elle va. Elle fera son office quand elle verra les cibles. Mais Bah, elle elle a va 15 bien obus, dégommer. donc elle peut y aller, mémère. Alors, tu m'as dit centrale charbon, c'est ça? Ouais, centrale charbon. Alors, centrale charbon. Est-ce que ils sont tous posés? Est-ce que ça s'est reconfiguré? Oui, ça s'est reconfiguré, c'est très bien. Et on me dit qu'il n'y a pas d'électricité. Effectivement. Ce n'était pas relié à l'électricité. Hello! Centrale charbon, c'est Félicite. où? Centrale charbon, c'est où? Ah, coupe le réseau logistique, ça fait mal aux yeux. Centrale charbon, c'est là. Donc, ça Où ça? arrive là. Ça arrive là, donc je peux. Ah oui, mais je peux carrément me mettre ici en fait. Où est-ce qu'on va se brancher?
Ça, c'est une entrée, c'est cela? Oui. Ça, c'est une entrée, donc ça, c'est une sortie. Donc, ici, c'est une sortie, donc la sortie va à l'entrée. Jusque-là, ça paraît logique. N'est-ce pas? Je sais pas, t'as jamais réussi, donc... ça serait une première. C'est parce que tes gares, elles sont mal foutues. Bah voyons. Je trouve tes dires scandaleux. T'as vu ça? C'est scandaleux. Donc on fait du plastique avec du charbon et du gaz pétrolifère. C'est bien beau ça, mais on n'a pas de charbon là qui arrive. Donc, tu vas me sortir deux rails de charbon. Ta gare de... La gare de pétrole gêne l'arrivée de charbon. Parce qu'en fait, le train ne pourra jamais tourner à cause des pompes de pétrole. Voilà. Donc on est dans le beau drap. Comme on dit. Donc il faut que je me colle autre part. Donc je pense que je vais me coller sur le cuivre. Voilà. J'alimente par derrière. Ah oui, j'alimente par derrière. Ça sera mieux. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps. Ah, mais ça marche pas. Ça, c'est une sortie. Ça, c'est une entrée. Un train arrive. Ne traversons pas la route. Enfin, les rails. Donc ça... Ah ouais, mais non, je peux pas les croiser aussi. Les rails. Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc ça, c'est une sortie. Ça, c'est une entrée. Donc il faudrait que celui-là, il aille là. Eh bien, faisons-le. Non. Non. Si, hop. Voilà. Non. Voilà. Voilà. Et donc ça, normalement, je peux le hop l'enlever. Merde. Test encore fait. J'ai une méga bonne nouvelle. Je crois que je suis pas loin de pouvoir faire ton armure. Ah. On va aller voir si ça a été fait. Alors j'interromps la fabrication de plastique. Ça c'est la sortie. On va voir si je peux faire ton armure. Des schémas, des éléments de moteur. Normalement tout a dû être stocké. Oui, ben non, ça alors, marche on arrive ici. Ça ne marche pas. Oui, bah ici, ça va tout le temps être attaqué vu ce qu'il y a à côté. Donc il faudrait que ça arrive là. 30 structures de fabricité. Que ça arrive là. C'est quasiment impossible. Est-ce que tu peux bouger la gare de pétrole? La gare de pétrole? Ouais. De quoi tu me parles? La gare centrale pétrole? Non, la gare de départ pétrole. En réalité, on n'en a plus besoin. Le pétrole, il est acheminé par un tuyau. Ah oui, donc je peux le détruire alors. À condition qu'ensuite tu prolonges ce tuyau jusqu'à la gare de pétrole du centre-ville, qui elle n'est acheminée que par le train. Mais tu viens de me dire que c'était acheminé par un tuyau. C'est acheminé par un tuyau jusqu'à ma gare à moi. Mais je vais le faire, je m'en occupe. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Il y a deux gares de pétrole. La gare du centre-ville, que tu avais fait en premier. Ouais. Qui récupère le pétrole. Ouais. Et la centrale pétrole. On en a encore besoin de celle-là? Bah oui, pour l'instant, tout est fabriqué. Tous tes explosifs, tout est fabriqué au centre-ville pour l'instant. Oh. Bah, mon centrale pétrole, tu vois bien qu'il n'y a rien derrière, ou presque rien pour l'instant. Il y a presque rien. Alors, il y a presque rien, il y a 12 000 usines, tu sais. Oui, mais bon, c'est le début. Ton armure est prête, mais elle est vide. Oui, mais ça, c'est pas grave. Je te la donne ? Ouais, t'as combien de... Toi, t'as combien d'exosquelettes ? Alors, tu veux à peu près la même chose que moi ? Ouais. Tu peux te faire la même que moi, si tu veux, je te la fabrique.
Bah, c'est parce que je peux construire les exosquelettes et tout, donc. Non, mais je peux faire, hein. Je vais te la Bah. fabriquer pareil. Ok, Surtout vas-y. que je vais aller regarder dans les coffres s'il n'y a pas des trucs de rab. S'il y a peut-être une vision nocturne que j'avais fait d'avance ou des trucs comme ça d'abord. Alors, donc on m'a dit de couper ça. Voilà. Des pipes. Oh là là, et il faudrait faire un truc pour les pour l'autodestruction des. Ah tiens, il y a deux exosquelettes là ici. Des robots pour personnel, tiens, il y en a deux là. Il y a du minerai d'uranium. Des poissons. Tiens, tu venais voir les coffres du centre-ville, tu serais fou, quoi. Les moteurs, les modules, une vision nocturne. Mais c'est pas vrai. On a tant de C'est bordel pas que ça. vrai. Tout ce qu'on a gâché. Il y a du combustible, des barres d'uranium épuisées. Qu'est-ce que ça fout là? Ben, je sais pas, c'est même pas dans un. Attends, il y a des armures modulaires, mais même pas vides, avec des trucs dedans. Bourrins. Il y a des centaines de robots de construction. Ben, pourquoi ils sont pas dans le réseau? Ben, ils ont fini dans les coffres. Ok. Ça devait être, tu sais, quand on les a sur nous et que tu les jettes, ils vont dans les coffres plutôt que d'aller dans le. C'est complètement con, Ben, ça. oui. Non, c'est pas con, il faudrait que je les appelle automatiquement. Il faut le savoir, faut faire un appel pour remettre dans un robot port en fait. Alors. Il y a 1000 tourelles quasiment. Oh, mais ça, c'est pas étonnant. Ok, bon, c'est bon, j'ai ce que je veux. Mais là-dedans, Alors, j'avais vu qu'il y avait pas mal de. est-ce que j'ai encore des pipes? Non, je n'ai plus de pipes. Donc ça, des structures de faible densité, il m'en faut plein. Et il me faut des cartes bleues. Allez, c'est parti. Veuillez m'apporter des tuyaux, s'il vous plaît. Mais je suis juste à côté. Vous êtes vraiment très con. Des fois, les robots m'exaspèrent. C'est pas les mêmes choses. Robots de construction qui déconstruisent et. Non, 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 c'est des robots logistiques qui sont venus jusqu'au roboport. Ils sont repartis et sont revenus. Tu vois, c'est normal. Bah non. Bah non, parce qu'ils venaient sur moi. Et en fait, ils sont arrêtés au roboport, ils sont repartis dans l'autre sens. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu quittes une zone logistique, ils doivent retourner au coffre et revenir. Il me faut des cartes bleues, mais j'imagine qu'on en a quelques-unes. Oui, je pense. Ouais. Deux. Parfait. Bouclier d'énergie, t'en as pas besoin. Des exosquelettes, il va me falloir des moteurs rouges, c'est juste là. Ouais. On n'a plus assez de moteurs rouges. On n'en fabrique plus. Ah si, on en Pourquoi? fabrique. Oui, non. Ok. Alors, bah là en fait, c'est bon, on est à la base. On est au centre-ville. Et ça, c'est beau. Ok. Et donc ça, tu peux le casser là. Ça, tu peux en mettre... non, ici. Donc il me faut deux robots ports MK2, quatre batteries, trois exosquelettes. Et voilà. L'alimentation au pétrole se fait maintenant par tuyau. Jusqu'à la base, Oui. jusqu'à la gare là, c'est ça? Oui. Ouais, bah Donc on voilà, peut super. supprimer le train. Excellent. Elle est déjà à moitié construite, ta truc. Ok. Un, deux.
Donc ça en fait, je peux le retirer et faire ça, Voilà, là je suis ça. en train de construire tes batteries. Ah non, mais c'est 4 batteries que je veux. Voilà. Ça, un petit peu de déchargement quand même, on va se décharger un peu. La vision. Et maintenant, les robots-ports, les exosquelettes. Les exosquelettes, il me faut les moteurs. Ah, j'ai plus de moteur rouge, il va te manquer des exosquelettes au départ. Et les. Bah écoute, moi j'en avais sur moi, je les ai déchargés. Donc Ah, ils arrivent. je vais demander des. Je les ai pas demandés. Je vais Ah mais c'est regarder dans bon. la réserve. Hop. Ils vont arriver. Bah, si tu les Tant demandes, mieux. c'est bon. Voilà, je demande 50 robots ou 50 abats. Ensuite, il faut que je te fasse ça. Pour ça, il faut encore des batteries Ça, et des structures de faible densité. on a dit que c'était une entrée. Donc la sortie vers l'entrée. Ça me paraît logique. 45 fois 8 Et ça, batteries. c'est là. Waouh. La sortie, elle est où? C'est celle-ci. Ok, on y va, voilà. Mais pourquoi Derrière, là ça se ça. raccorde pas quoi? Il se fout Des de moi. structures. Il me faut 40 structures et 100 cartes bleues. Ces rails vont me rendre fou. C'est Ah, je tellement pas fabrique mes logique. propres structures, moi? J'en Pourquoi ai pas? enlevé. J'en avais sur moi. J'en ai renvoyé dans Ah bah, le je vais les circuit. demander, alors. Je demande. Ok. Alors, moteur rouge. On est pas mal, là. Bon, bah, tout ça est en construction. Elle est à moitié finie. Elle est pas loin d'être finie, mais pour l'instant, je retourne bosser sur autre chose. Ok. Alors moi, il faut que je retourne au train de pétrole parce que comme je lui ai détruit sa gare, il va pas apprécier. C'est des choses qui arrivent. Je pense. Je pense qu'il va être là en mode je trouve pas ma gare. Ouais, de toute façon, ils passent leur temps à pleurer les trains. Hein. C'est ça. Voilà. Le train est maintenant déconstruit. Voilà. Ça au moins. Plus de problème. Et on va pouvoir réutiliser la locomotive pour faire le train de charbon. Tout à fait. Donc ça, c'est une sortie qui va vers une entrée. Voilà le robot port. Voilà. Oups. Comme si je passais ma vie à râler. Mais en même temps, tu fais n'importe quoi tout le temps. Non. Ce que je fais est extrêmement fonctionnel. C'est juste toi qui ne le comprends pas. Là, il faut des chaînées, s'il vous plaît. Tu ne comprends pas mon génie. Ceci dit, pas grand monde le comprend, donc. Voilà, qu'il pourrait. Là, je vais faire un départ, on sait jamais, des fois qu'on a envie de prolonger. Voilà. Donc maintenant, il faut mettre les feux qui vont bien. Alors, on n'a Voilà. plus qu'à les bien les placer. Les enfants aussi.
ensuite ici. Là, il en faut un. Et ça devrait être à peu près bon. Là. Ça doit être bon. On va pouvoir poser le train de charbon. Sauf que la mine de charbon n'est pas reliée. Voilà. Il y a du charbon sur les tapis, mais la mine de charbon n'est pas reliée. Alors, on a dit. C'est censé être une bonne nouvelle? Oui. T'inquiète pas. T'as du charbon, c'est déjà pas mal. Sur les tapis. Et je suis en train de mettre les modules de vitesse dedans. Sur la mine de charbon, c'est pas utile. Pas trop tard. Trop tard, c'est fait. Voilà. Des bras rouges. Des bras non, rouges. Pas rouges. Non, pas des bras rouges pour l'instant. J'en ai plein des bras rouges en plus. Et voilà, le charbon commence à arriver dans la gare. On est d'accord que tes gares, elles sont chargées en... Oh. Ouais, elles rechargent les trains. Ok. Tout à fait. Donc j'ai qu'à mettre du carburant au départ, quoi. Ouais, tu me dis carburant une fois et c'est bon. On a les trains de cuivre qui se suivent. Il y a trois trains de cuivre, c'est ça? Je sais pas. Je m'occupe pas du nombre de trains, je m'occupe pas du. Moi je fais la gare et la gare décharge et remplit tes trains. Moi j'en vois trois et j'en ai jamais posé trois des trains de cuivre donc. Mais en tout cas, si quelqu'un arrive à la gare de charbon, il va se faire charger en carburant, en effet, je confirme. Ok. Bon, c'est long, on a la fabrication là. Alors je vais annuler la grosse batterie. Les 8 robots. Déchargez-moi, mettez-moi des tapis. Je suis trop plein, je suis trop plein. Ça vite, arrive. Vite, vite. La grosse batterie. Les robots. Désolé pour les viewers. Si vous entendez la discussion de mes voisins qui sont en train de se faire. C'est pas vraiment une discussion, hein. Non, non, ils sont en train de s'engueuler. Pour changer. Voilà. Là qui bosse, bordel. Ah là là là. Hop. Hop. La joie de vivre en appartement. Oh bah moi j'habite en appartement, mais dans une résidence où il y a que des petits vieux, tu sais, ça fait un peu maison de retraite chez moi. Ah bah comme ça, t'auras pas besoin de partir très loin dans quelques années. Petit con. Et si, non, car j'habite au cinquième sans escalier, sans ascenseur, pardon. Sans escalier, ce serait un peu embêtant quand même. Il faut grimper avec la corde. Et franchement, à 75 ans, je me vois plus faire ça. 75 ans, voilà, tout de suite. Par contre, ça décharge pas le cuivre. Bah, peut-être parce que la gare est pleine. Il y a un train qui reste. Alors, il y en a un qui reste 500 de cuivre dedans. Donc, soit ça n'a pas le temps, soit ça n'a pas le temps. Et ce qui serait hyper étonnant que ça n'ait pas le temps. Soit la gare est pleine et ça serait aussi hyper étonnant, mais bon. Il n'y en a qu'un sur trois qui a encore du cuivre dedans. Je vais regarder ses settings. Il est à 30-30. Ok. Et les autres, ils sont à. Ils sont à 15-15. Donc, pourquoi? Celui qui a 30 a plus. Il faudrait peut-être le mettre à 15-15 alors. Non, pour qu'il ait le même temps que les autres. Je pense. Bah si t'as un problème de déchargement, c'est plutôt 15-20 qu'il faudrait mettre.
Mais normalement, on décharge beaucoup plus vite que ce qu'on recharge. Puisque je décharge des... Quoique non, je décharge des deux côtés, donc non. C'est la violence, hein, mes gars. Quand tu vois le nombre de bras en action... Ok. Pas de train, s'il vous plaît. Merci. Pas de train, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Comment je vais faire pour faire un autre robot port, maintenant? Je sais pas. Il va me manquer quoi? Des cartes bleues, pourquoi il me les amène pas? Il me les amène, il est en train. Il est en train, par contre, moi mes bras, ils arrivent, mes bras verts? Ouais, ils sont là. Tes bras verts? Tu fais des bras verts pour faire un robot pas? Non, mais je fais deux choses en même temps, je suis multitâche. Oula! Là, il faudrait. Il y en a qui vont dire que c'est pas possible, hein. Je ne suis pas une femme pourtant, mais j'y arrive. C'est beau. Toute cette abnégation. Ok. Bah non. Bon, en fait, je suis en train de faire la quatrième entrée, mais il n'y a pas de quatrième entrée pour cette mine de charbon. On va retirer. Et poser le train de charbon. Voilà. Hop. Vous avez demandé un train de charbon, monsieur? Ou pas? Bah oui. Ouais. Il devrait être là depuis un moment. Ah, mais il n'y a pas de coffre ici. Pourquoi pas de coffre ici? Chaque fois, il y a un problème avec toi. Hein. Bah non, c'est tes robots qui n'ont pas construit. Hein. C'est pas mon problème, moi. Ah oui, tout est encore en plan, là. Oh là 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 là. Tous les coffres, là. Ah, c'est à moi de tout faire, encore une fois. Heureusement que je suis là, quand même. Je dis ça, je dis rien. Monsieur, là, il est là, en train de s'extasier. Ouais, les robots, les robots, les robots. Les robots, ils font rien. Voilà. Ok. Là, y a... ça y est, j'ai ma sortie de plastique, ici. C'est une belle sortie de plastique. 4 lignes de plastique. Départ charbon. Temps écoulé. Par contre, j'ai rien. J'ai que dalle. J'ai pas de charbon qui arrive, moi. Hop, bah elle arrive. Arrivée charbon, c'est où? C'est central charbon, c'est ça? Vide de chez vide. Hein. Ouais, ouais. Tout ça est bien vide. Et tu vois, voilà, voilà. Vous voyez, le monsieur, il travaille jamais. Hein, et voilà. Après, ça se plaît. Alors, attendez. Pourquoi j'ai pas de pétrole? Ça, c'est pas mon problème. Pourquoi j'ai plus de pétrole? Ah si, il y a le pétrole, il arrive. Non, il arrive plus, là. Tu m'as coupé mon arrivée de pétrole, merci. Non. Si, elle était là. Elle était où? Elle était là, mon arrivée de pétrole, ici, là, là où je suis. Bah oui, elle est là, maintenant. Non, regarde, là, c'est plus relié, là, tac, tac. Mais si, regarde, regarde, là. Juste au-dessus. Juste au-dessus, au niveau des réserves. Non, mais le pétrole, il allait aussi à ma gare à moi. Ah oui, mais là, tu l'as coupé, là, le pétrole. Ah bah ça... T'as coupé une gare pour alimenter l'autre, super. Bah je sais pas, moi j'ai enlevé la... J'ai enlevé là où c'était sur les pompes, quoi. Voilà. J'ai juste enlevé la pompe, hein. Voilà, parce qu'on avait plus besoin de la pompe. C'est toi qui me l'a dit. Je me souviens plus du tout d'avoir dit que j'avais plus besoin de pétrole dans ma gare de pétrole, mais bon. Non, mais tu m'as dit que t'avais plus besoin de ta pompe, donc j'ai retiré la pompe. Voilà. Félicitations. Ça y est, ça arrive à nouveau. Bravo, hein. Ah, mais c'est toi qui as mal expliqué, encore une fois. Bah oui. Alors, où j'en suis-je? Alors, j'en bravo, suis-je que j'ai du plastique. Le monsieur, il te dit qu'il y a du carburant qui arrive, mais il arrive pas parce qu'il a pas posé le machin au bon endroit. Hein, voilà. De quoi tu parles? Charge le... Oui, c'est parce que je viens de retourner le tapis. Alors, pourquoi il n'y a pas de chemin d'accès? Alors que cette fois, j'ai bien fait les entrées avec les sorties, quoi. Donc, c'est pas normal. Encore une fois, ces gares ne fonctionnent pas. Tu veux aller où, là? Bah, au départ de charbon, parce que c'est le train de charbon. Et où ton départ charbon? Bah, à côté du pétrole. Ok, alors attends, je vais aller voir ça. Ça, c'est bien arrivé.
Ça c'est bien sorti. Il Tac tac fait tac où tac le tac. demi-tour là, le truc? Tac 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 tac. Là, Donc ici, il peut pas faire le demi-tour. où ça? Les feux sont dans le mauvais sens ici. Ah bah ça c'est pas moi qui les ai placés, c'est toi. Ben c'est Ouais. normal, il faut les. C'est à toi de les vérifier, les carrefours, on peut en mettre que 2 sur 3. Ah bah non Donc mais si, je ici, te dis. regarde là, tu vois le feu qui est ici là? Non, tu peux pas voir, c'est là-bas, viens, 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 c'est à ta gare. Ah bah oui, non mais le monsieur il est là en train de te dire oui, mes Mais c'est gares vrai elles fonctionnent par qu'il 4 rails, y a. il faut que tu aies mis les 4 rails pour que ça fonctionne, et quand tu voilà, et non ça ne fonctionne pas. C'est vrai Voilà que encore là. mieux, nous voyons encore une fois que ça ne fonctionne pas. Là, il peut pas aller, il est obligé de faire demi-tour, effectivement. C'est stupide d'avoir fait ça. Oui, mais c'est pas C'est moi vrai que qui ai fait. mon carrefour, mon petit carrefour là, par rapport au. C'est pour ça que je fais souvent des ronds, le petit carrefour il n'est pas utilisé ici. Bah ouais, c'est ici. Viens alors, je te montre pour t'expliquer. Ce carrefour, le feu sur lequel je suis là, il permet au train que d'aller dans un sens. Et celui-ci aussi. Donc là, celui-là, il est bien, celui où je suis. Mais celui qui est là, ici, il travaille du mauvais côté. En fait, c'est le roboport qui l'a mal posé. Parce qu'en fait, en réalité, il aurait dû être mis. C'est le. Pour lui, tu vois, ses joints, c'est la même chose. C'est bizarre. Alors le problème, c'est qu'il faut que tu enlèves le rail, tu le poses là et après tu remets le rail. Parce que pour lui, c'est deux endroits qui peuvent correspondre à deux trucs différents. Et il a évidemment mis sur celui que je voulais pas. Tu vois le truc? Attends. Ah mais il le met forcément là, tu peux pas le mettre autre part. Oui, il faut forcément le mettre là, mais il doit correspondre à une autorisation de passage dans une autorisation de passage. Regarde là, quand tu le poses ici là, Ouais. il permet à ton train ensuite de passer. Bah oui. Attention, Voilà, attention. voilà, maintenant il peut passer le train. J'ai prévenu, hein. Et en fait, il l'a posé. Oui, t'as prévenu trop tard. Bah c'est parce que je l'ai vu trop tard. Grosso modo, de toute façon, je meurs 10 fois par épisode avec les véhicules, ça faisait longtemps. Je reste à côté de ton cadavre. Comme ça, tu le retrouveras Merci. facilement. Là, ça allait, maintenant, pour une fois, je me souviens où il est. J'essaye de semer les robots qui veulent me remplir de tas de trucs dont j'ai pas besoin. Mais comme tu es très rapide, car tu as Bah ton pas vraiment en armure. fait. Bah non, mon armure elle est là-bas. Ah, ils sont en train de me harceler. C'est des stalkers. Ah, on va te donner ça. Est-ce que toi aussi tu leur vends ton eau de bain? Comme certaines Instagrammeuses. L'eau de bain en plus c'est bien hein, quand même, parce que l'eau de bain franchement tu peux en avoir facile. Hein. C'est ça? Non, mais je sais pas si tu l'avais entendu ça. Une Si. Instagrammeuse qui a vendu son eau de bain. Voilà. Bah, Et elle a grave raison, franchement. elle a vendu autre chose récemment. des objets pour hommes, pour des parties fines, dirons-nous. Pour la protection. À 10 euros Des l'unité. préservatifs. Ouais, à 10 euros l'unité. Ouais. Mais C'est s'ils ça. sont designés. Ouais, bah ils sont designés, hein. C'est bien. 10 euros l'unité quand même. Attention, le train il Mais arrive. alors, ça les vaut, hein. 10 euros l'unité, ça les vaut. Tu sais pourquoi on sait que ça les vaut? Parce que les gens l'achètent à ce prix-là. C'est ça. C'est ça. Elle s'est fait piller, on va dire. Et voilà. Donc, c'est que c'était donc, c'est qu'elle s'est trompée de prix. C'est ça. Donc, c'est qu'elle s'est trompée de prix. Il Donc, faut est-ce que qu'elle les celui-là, mette il est à. bugué aussi? Il faudrait qu'elle les mette à 15 balles pour voir si ça part encore. Voilà. Non Mais mais donc, celui-là, il n'y a de pas les toi. feux qui ont été posés Donc, donc. le robot, quand il pose le feu, il le met, mais au mauvais endroit. C'est bizarre. Et donc, du coup, voilà. That's weird. Tu te fais stalker par des robots. Ah ouais, c'est pénible. J'ai tellement de trucs en double en plus, du coup, maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? De particulier. Bah, on va bientôt dire au revoir à tout le monde. Déjà? Vu que tu. Bah pas encore, moi je vais continuer un petit peu sur mon plastique, je voudrais le relier en haut Bah là. vas-y, fais-le. Moi je vais poser le silo à fusée parce que je l'ai retiré. Ah, ça a coupé, t'as dit quoi? Je vais poser le silo à fusée. Pourquoi tu ferais ça? Je sais pas, c'est toi qui m'as dit de le poser à côté des T'as dit qu'on civières voulait pas Valérian. s'en servir, qu'il n'y avait pas besoin, que c'était pas nécessaire, tout ça.
Voilà, il est posé. Paf. Pif, paf, pouf. Paf. Il n'y a pas de grosse Bertha ici? Pourquoi il n'y a pas de grosse Bertha ici? Une seule arrivée de plastique, ça a l'air de suffire largement. Pourquoi il n'y a pas de grosse Bertha ici? Slan, tu n'as pas mis grosse Bertha ici? Je ne m'occupe pas de la défense, tu confonds avec toi-même. Vous êtes licencié. Mais de quoi? Bonjour. Mais de quoi? Bonjour à messieurs les monstres, vous êtes mort. Crain, c'est loin construire la grosse Bertha par contre. Ça fait combien de temps? 4 minutes? Non, 40 secondes. 4 minutes si tu n'as pas tous les ingrédients sur toi. Et l'heure, une petite grosse Bertha. Ici, Une ça me petite paraît bien. grosse Bertha, c'est bien ce que t'as dit. Oui, petite grosse Bertha. J'ai pas le droit de dire une petite grosse Bertha, c'est ça? Là, si tu peux. On va encore me reprendre sur mon vocabulaire. Ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Ah non, j'ai jamais dit que ce que je disais avait du sens, hein. Heureusement. Ça se saurait sinon. Heureusement que tu t'es pas permis de le dire. Franchement, sinon, ça se saurait. Voilà. Look. 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 Et voilà. On a une grosse Bertha de plus avec des munitions en attente. Elle attend ses petites munitions. Ouais, qui est une bonne nouvelle alors. C'est ça. Ah, et ben, les voilà en train d'arriver. Déjà. Ah, bah là, voilà. Elle commence déjà, ça va faire son travail. Allez, vas-y, boum. Et voilà. Mais quelle bourrine celle-là. Voilà. La base est nettoyée. C'est déjà en train de bourriner. Boum. Allez, va, ça y est. Boum, encore un. Allez, vas-y. Elle a quand même une sacrée cadence de tir hein, si elle a des munitions. Bah oui. L'obus n'a pas le temps de se poser qu'elle a déjà retiré. Boum. C'est assez impressionnant. Ah, elle est vide. Ça y est. Elle a tout donné. Elle n'en peut Ouais, plus. ça a vite fait quand même de se vider, hein. C'est ça. Ah, on a les lasers qui tirent, qui se mettent à tirer. Voilà, parce que tout de suite. Bah, elle a fait un appel, hein. C'est ça. Ah, elle le retire tout de suite. Elle a de nouveau des munitions. Et ça Du y est, coup, elle elle se remet. réplique. C'est ça, elle s'y remet. C'est Y a tellement pas de pété. raison. C'est Par tellement contre, pété. je trouve que dans mon setting que j'ai fait de grosse Bertha, tu devrais pouvoir l'améliorer si tu veux. Ça serait une bonne idée de mettre non pas un coffre, mais trois coffres bleus. Autour de la grosse Bertha? Hein? Bah, tu sais, devant la grosse Bertha là. Ouais. Franchement, je pense pas que ce soit utile. La 15, c'est léger, hein. Bah, c'est parce que moi je les ai setés sur 15, hein. Tu sais, tu peux les setter Tu les beaucoup as. plus. C'est parce que je Ben non, demande dans un 10. coffre, tu peux pas en mettre beaucoup. Tu rigoles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. 40 sur 8, 48. Ouais, bah 7 sur 48 alors effectivement. C'est parce que moi j'ai été sur 10, hein. Sinon, tu sais, tu les stacks, tu mets 50K et ils vont arriver à la chaîne, quoi. Dirons-nous. Ça marche. Voilà. Hop. T'as celle-là, elle se fait charger à mort, quoi. Ah oui, sinon, elle arrête pas de tirer. Bref. Voilà, on s'est extasié devant la grosse Bertha. On a encore vu à quel point elle était efficace. En fait, quand tu comprends comment elle fonctionne, elle est très très efficace. Bah oui, hein. Voilà. Je vais aller l'aider d'ailleurs, la grosse Bertha. Car, Encore? oui. Car elle n'avait pas terminé le travail. Donc, je me permets de le faire pour elle. Ben voyons. Oui, en fait, il restait un nid
juste trop loin de sa portée. Ah ben là, j'imagine que ça t'a rendu super triste. Ouais. Donc j'ai dû aller éliminer cette menace pour notre survie, évidemment. Je comprends bien. Oh, on a retrouvé de l'uranium! Le mec, oh, de l'uranium! Bah, vu que la bombe nucléaire est bloquée Et et pourquoi que les je ne m'en bloquer? occupe pas, ah, ça, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Bah, c'est toi la recherche, hein, c'est pas moi. Oui, mais bon, c'est pas une recherche utile. Si, c'est une C'est une recherche tout à fait recherche utile. non pertinente. Non, c'est toi qui as décidé que c'était non pertinent. Moi, je décide que c'est pertinent. Et du coup, tu vas aider la recherche. Bien sûr. C'est pas mon travail, la recherche. Moi, c'est la défense et la guerre. T'es bien parti pour faire la guerre sans bombe atomique, là. Ah, c'est pas grave. On le fera à la grosse Bertha. Bon. On le fera au Gustave. Allez, ça y est, j'ai relié ma production de plastique au central. Alors, comme tu peux voir, maintenant, quand je fais une production, c'est pas un rail qui part, quoi. C'est 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ouais, mais ça Voilà. c'est. C'est normal ça. C'est ton travail la production. Voilà. Là, ça produit maintenant. Le plastique va maintenant dans les cartes. Et le Et plastique, ici, c'est fantastique. excellent, excellent, excellent. En effet, c'est extraordinaire. Et ici, on va devoir faire la production. Je vais aller regarder un tout petit peu mon setting avant de couper. Voir là-haut ce qu'on avait fait. Attention au train. Qu'est-ce qu'il fait le train de pétrole? Ah oui, si j'avais fait un train de pétrole. On a un train de pétrole qui attend. Bah, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de train de pétrole justement. Et on a un train de pétrole en fait qui est à l'arrêt à la gare de pétrole. Mais bon, au cas où. Pour un jour. Ah, intéressant. C'est intéressant. Voilà, là c'est bon. Là ça devrait être bon aussi normalement. M'inquiète pas du tout que tu changes comme ça. Non, 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 il faut pas. Faut pas du tout s'inquiéter. De temps en temps, ça m'arrive. Je vois ça. Ok. C'est parce qu'en fait, je suis en train de poser des tourelles. Donc, tu sais, c'est un peu. Bon, bah là, moi, c'est bon. La production de cartes rouges est toujours tout à fait fonctionnelle. On manque de quelque chose, on manque de rien. Le cuivre arrive en quantité suffisante maintenant, mais il stagne pas, hein, t'as vu? Non, j'ai pas vu, non, je suis pas du tout à cet endroit-là. Donc, La production de cuivre, ça stagne pas. Mais c'est Ah pas bah en grave même ça. temps, c'est normal parce que là, ça produit les mauvaises cartes. Oula, puis il y a des usines, d'accord. Bah, je corrige ça avant d'arrêter. 1, 2, 3, 4. Ok, là on va faire. Ok. Voilà, c'est normal, maintenant ça va pouvoir produire. Et elles sont là mes quatre usines déjà? Aïe! Ah, Et voilà. yeah. Et ouais, le cuivre ça arrive plus, mais comme tu peux voir, si tu vas regarder, ça, il n'y a pas de. Alors, tu Ça, parles de où? c'est loin de saturer mes rails là où je suis. Ah, centrale cuivre, je ne vois pas, c'est pas sous radar. C'est pas sous radar ici? Non. Sérieux? Attends, je mets un radar. Ok, ouais, je vois par contre au niveau des usines vertes que ça ne tourne pas. Mais après, d'un côté, t'as pas tous tes diffuseurs de modules sont pas mis ni rien, donc Oui, mais c'est c'est pas peut-être le pour ça problème. aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas assez de minerai qui arrive. Bah si, le minerai ça sature. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs, le minerai sature. Non, c'est tes diffuseurs de modules qui tournent pas comme t'en as pas et que ça te booste ta production énormément. Et bah, à Ouais, mon avis, mais c'est ça. pourquoi le fer? Parce que je consomme plus de cuivre que de fer. C'est ça. Alors, c'est peut-être pour ça. C'est ça? Il y a plus besoin de plus de cuivre que de fer. Il faut combien pour une carte? Je Une plaque pense, de je. fer, trois câbles de cuivre et une câble de cuivre, c'est une plaque de fer. Oui, il faut une fois et demie plus de cuivre que de fer. Ah, donc Donc c'est ça. marrant, on arrive à peu près à avoir la capa. Et donc, oui, le cuivre sature. Et donc, Donc, remplit petit à petit les coffres. ceci peut peut-être expliquer cela. On est bien, hein?
On est bien, on sature partout. Et oui, les diffuseurs de modules, ça va se mettre en route bah, quand je vais faire des modules. Mmh. Ça va être, ça sera la violence. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Là, le plastique est réglé. Et dernière chose que je voulais aller voir. Avant te... Donc au début du prochain épisode, je te fais ton armure pour aller plus vite avec Roboport et tout. Ok. Elle est quasiment finie. Et le truc que je voulais voir, c'est ce que je dois produire avec le pétrole. Donc du soufre. Du combustible de fusée. Ah ça, ça sera pas mon... Ouais, si, je le ferai, bien sûr. Soufre, explosif, acide sulfurique et batterie. C'est tout, hein. Ici, il faut une grosse Bertha. Ouais. Soufre, explosif, acide, batterie. Ça va aller. C'est tranquille. Alors, il faut on va mettre ça en place. Et ça. Allez, on va dire au revoir à tout le monde et on se retrouve bientôt. À des plus bisous. Tout le monde.